volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ce que vous voyez ici n'est qu'une simple ébauche. Mais cela nous sera très utile pour l'analyse de la proposition. Je ne sais pas. Certains de ces calculs me semblent bien trop optimistes. Mais il faut bien être optimiste pour avancer. Oui, mais c'est aussi très dangereux. Et Gonzalo a raison. Eh bien, je pense aussi que nous devons faire quelques ajustements à ce budget. Si nous devons les faire, nous le ferons. Il ne s'agit pas d'arnaquer quelqu'un ici. Donc, Arturo, pour résumer, c'est une bonne idée ou pas de développer cette ferme? C'est excellent. La ville se développe dans cette direction. Ça ne sert à rien d'avoir une ferme pour y mettre des vaches. Ah, des chevaux, oui, mais des purs sang. C'est la même chose, ce sont des animaux. Vous utilisez la terre pour une activité secondaire et ce n'est pas rentable. Je pense que nous devrions diviser cette terre en lots et construire. Ah, mais c'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Non, je comprends parfaitement cela. Ce qui m'inquiète, c'est la taille de l'investissement. Ah, mon cœur, tu dois voir les choses en grand. Les grosses affaires nécessitent toujours de gros investissements, tu le sais bien. Rassure-toi, il va signer à coup sûr. Je ne sais pas, il semblait réticent. Il a des doutes concernant les chiffres. Ne t'en fais pas, je ferai tout ce que je peux pour le convaincre. Eh bien, comme tu veux. Mais je te préviens, je ne veux surtout aucun problème. Alors, quel genre de problème il pourrait y avoir, Arturo? Lina, c'est une affaire très risquée pour Gonzalo. Si toutefois les travaux de construction arrivaient à dépasser le budget, il pourrait perdre sa ferme. Mais toi, tu n'as vraiment rien à perdre. Bien au contraire, je pense que tu as tout à gagner. Précisément. Je ne veux pas que quelqu'un pense que je veuille en profiter. Arturo, arrête, s'il te plaît. Gonzalo est un adulte, tout de même. D'ailleurs, tout est très clair dans le contrat. À vrai dire, je ne pense pas que qui que ce soit osera dire du mal de toi. D'accord. Ah, les machines sont vraiment super, n'est-ce pas? Impressionnant. Mais elles se sont avérées très bon marché, n'est-ce pas? Eh bien, ils les vendent à la douzaine, c'est bien la raison pour laquelle ils ne coûtent pas aussi cher qu'ils devraient. Et même de toute façon, franchement, je n'aurais jamais pensé qu'une machine à coudre pouvait coûter aussi cher que cela. Si vous voulez, je pourrais vous facturer plus d'argent pour eux. Ah non, c'est bon, c'est très bien comme ça, c'est bon. Très bien alors. J'ai entendu que Gonzalo a acheté des machines à coudre. Ruben les a livrées ce matin à la fondation. C'est parfait. Alors, dis-moi, Alinis, quand est-ce que nous pourrons enfin faire cette terrible révélation, hein? Très bientôt. Mais nous devons d'abord obtenir un emploi pour le père de Mariana Scarlett. Ah, ce vieil homme, il est tellement stupide. Bien au contraire, Tony. Augusto Garcia sera encore plus utile que tu ne le crois. Ah, je ne vois vraiment pas comment il pourrait faire. Il travaillera à la Fondation White. N'est-ce pas exactement ce qu'il veut pour être proche d'Adri? Je le sais, mais je me suis dit pas que... Pas de mais, Tony. Nous devons lui trouver un travail au plus vite à la Fondation White, et c'est tout. D'accord. J'ai eu ces machines à coudre à un bon prix, c'est pour ça que je les ai achetées. Vous ne trouvez pas cela un peu bizarre, Monsieur Gonzalo? Je suis allée demander les mêmes machines dans d'autres endroits, et elles coûtent presque deux fois plus. Aïe, mais ne t'inquiète pas, Adri. Ces nouvelles machines ne vont pas nous causer de problème. Elles sont de très bonne qualité et elles ont été vendues avec tous les documents d'importation en règle. Vraiment? Dans ce cas, je ne devrais plus m'en inquiéter, non? Je peux être un peu audacieuse, Monsieur Gonzalo. Audacieuse? Je ne sais pas si ce que je vais vous dire est quelque chose d'audacieux. Ou alors c'est peut-être une indiscrétion, vous savez. Ou peut-être que je suis un peu insolente, vous savez très bien que je ne suis pas douée avec tous ces mots. Mais j'ai vraiment besoin de vous parler. Qu'a-t-il? Roberto harcèle toujours Mariana. Et cela ne me paraît pas juste, ce n'est pas juste, Monsieur Gonzalo, parce que c'est... Roberto a déjà fait souffrir Mariana. Et je pense qu'il devrait faire preuve de bon sens et la laisser tranquille. Et de toute façon, Mariana va épouser Juan Carlos. Miguel Angel t'a embrassé? Tais-toi, on peut nous entendre. Et qui donc?
Il n'y a que des ouvriers ici. Ils sont tous sourds parce que les machines à coudre percent leurs tympans. Ce n'est pas vrai. Miguel Angel t'a embrassé ou pas? Tu pourrais te dire ça, s'il te plaît. Personne ne doit savoir. J'aurais vraiment trop honte, Lina. De la honte, je croyais que c'était un plaisir. Ah, Lina. Allez, Béatrice. Pourquoi tu n'arrêterais pas de jouer à l'hypocrite pour une fois? Sois franche et admets-le, je suis ta sœur, voyons. Accepte que c'était merveilleux de se sentir à nouveau femme. Je n'ai jamais cessé de me sentir femme. J'ai des doutes à ce sujet. Je crois que tu avais oublié l'excitation qu'on pouvait ressentir quand on est désiré d'un homme prêt à faire n'importe quoi pour que tu tombes amoureuse de lui. Je ne pense pas que Miguel Angel veuille que je tombe amoureuse de lui ou que je m'intéresse à lui. Il t'a embrassé! Quelle meilleure façon de te montrer qu'il est intéressé. Oh, il t'aime. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais pourquoi tout ce drame? Je suis mariée et j'ai permis à un autre homme de m'embrasser. Ah non, Béatrice. Visiblement, jamais rien ne pourra te rendre heureuse. Écoute, ma chérie, tu t'es sentie attirante à nouveau. Et au lieu de manifester ta joie, tu en fais au contraire tout un drame. Les choses ne sont jamais simples avec toi. Ma parole, tu débloques. Ça se pourrait, mais ma décision est prise. Je ne continuerai pas à vivre avec Béatrice ainsi. Retour à la case départ, et tu veux divorcer? C'est la seule alternative que j'ai, papa. Je suis tombé amoureux de Mariana. Je dois faire face à cette vérité. Et pour y faire face, tu détruiras la vie de la seule femme qui t'aime vraiment. Je sais que Béatrice m'aime, mais continuer ainsi ne fera que la blesser davantage. Aïe, alors maintenant tu vas te mettre à faire du mal à la femme que tu es censé aimer. Tu ne comprends pas. Non, je te comprends très bien. C'est toi qui n'as pas les idées claires. Béatrice, ton épouse t'aime. Mariana ne t'aime pas. Et très probablement, tôt ou tard, elle finira à coup sûr avec Juan Carlos. Mariana ne l'épousera pas. Si, elle va le faire. Adri me l'a dit. Mariana est de plus en plus désespérée avec toi. Elle ne supporte pas le fait que tu la harcèles constamment. Elle a dit à tous ses amis que tu n'es qu'une canaille qui veut continuer à profiter d'elle. Et tu penses que dans la vie que tu mènes en ce moment, tu as une chance de sortir avec elle? Et que cela justifie que tu quittes ton épouse Béatrice pour courir après une chimère, une femme qui ne veut rien savoir de toi? Ah, mon amour, je pense qu'il est temps que tu laisses le passé derrière toi. Ce conflit avec la famille Santibanaise. Je ne sais pas, c'était il y a 20 ans. Pourquoi tu n'oublies pas tout ça, maintenant que nous sommes devenus de bons amis avec Mariana? Voyons, Mariana est une chose, mais c'est tout autre chose avec Augusto. Et c'est sans compter Scarlett. Oh, Scarlett. La pauvre. Ça doit être vraiment horrible comme situation de devoir payer les pots cassés. Allez, mon amour, je pense sincèrement que ce serait très noble de ta part. Si tu offrais un emploi à ce pauvre homme, je crois que tu pourrais lui trouver du travail comme chauffeur ou bien même livreur. Je ne crois pas qu'il sera trop exigeant car il n'est qu'un simple chauffeur de taxi maintenant. Non, Augusto ne va rien accepter qui vienne de la famille White. Il est venu me rendre visite, mais il a toujours toute cette rancœur. Voilà pourquoi, mon amour. Je pense que nous devons lui montrer que cette haine ne peut pas continuer de génération en génération. Il finira par comprendre que Gonzalo White est un homme bon, généreux et gentil. C'est très bien, c'est très bien. C'est un fait maintenant, je ne peux rien te refuser. Oh mon amour, tu es génial. C'est pourquoi je t'épouse, parce que tu es définitivement l'homme le plus gentil du monde. Quoi? Tu t'en vas? Je pensais que nous allions passer la nuit ensemble. Ah non, je suis désolée, mon chéri. Mes amis ont été sympas d'organiser mon enterrement de vie de jeune fille. Et je suis sûre qu'on va trop s'éclater. Mais tu vas me revenir. Ah non, bébé. Je ne te l'ai pas dit, mais en fait, nous avons prévu de passer toute la nuit à faire la fête ensemble. Il est clair que quand nous serons mariés, je ne verrai pas aussi souvent mes amis. Donc j'ai décidé de passer un moment inoubliable avec eux. Bien, d'accord. D'accord, mon amour. Salut. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Ma sœur est très heureuse avec toi. Ce n'était pas l'idée? Elle était très excitée quand elle m'a dit que tu l'avais embrassée. Je constate que tu es un vrai séducteur. Merci, mais je dois insister. Ce n'était pas l'idée? Ça l'était. Mais je suis étonnée de tout cet enthousiasme. Elle n'a pas résisté à ton charme la première fois que tu lui as parlé. Eh bien, c'est que je dois être très vigilant avec des femmes comme Béatrice. Tu ne peux pas laisser Béatrice passer une vierge. N'est pas vierge. Elle a été fidèle pendant plus de 8 ans. C'est la chose la plus proche de la virginité que je connaisse. J'espère que tu t'amuseras alors. Attends une minute. Laisse-moi. J'ai vraiment du mal à te comprendre. Tu me demandes de séduire ta sœur et puis tu me fais des scènes de jalousie. Moi, jalouse? Ne sois pas stupide. Tu me connais visiblement mal. Mais où vas-tu comme ça?
Je vais coucher avec mon futur mari comme je devrais le faire. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Je pensais que tu voulais qu'on ait plus d'argent pour la maison. Tu veux dire voir Adri plus souvent? Non, elle travaille aussi là-bas. Cela veut dire que nous allons devoir nous voir plus souvent. Papa, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as décidé d'aller travailler à la Fondation si tu n'aimes pas la famille White. Tu nous as dit que tu les détestais. Je fais tout ça pour Adri. Est-ce que tu penses toujours à elle? Je suis amoureux d'Adri et j'envisage vraiment de l'épouser un jour. Bien sûr, sans qu'elle le sache ou quoi. Elle le saura. Elle l'acceptera. Je suis vraiment prêt à faire tout ce qu'il faut pour l'épouser. Papa, tu ne peux pas travailler là-bas. Pourquoi pas? Tu travailles chez Béatrice Durand, qui appartient au White, et ta sœur, elle est mannequin chez White Textile. Alors, pourquoi je ne pourrais pas être moi aussi à la Fondation White? Eh bien, je trouve que tu as quand même raison, mon vieux sage. Ah. Et si c'est le destin qui essaie de nous impliquer dans la famille White? Et si je finissais par épouser Roberto? Eh, Scarlett? Ah, je faisais que plaisanter. Détends-toi un peu, tu veux? Pourquoi tant d'amertume? Ah, viens, on va rire tous les deux. Mais tu as tort concernant le destin avec les White, oui. Ah. Non, non, mademoiselle. Enfin, mais si, tu verras. Je ne suis pas très heureuse de voir ton père tous les jours à la Fondation White, mais... je ne peux rien y faire s'il a eu un emploi là-bas. Cela ne peut pas être possible, Adri, je n'y crois pas. Ah, je sais, tu as aidé mon père à obtenir ce travail, n'est-ce pas? Moi? Comment peux-tu penser ça? Mariana, ton papa a eu cette offre d'emploi, et ce n'est pas moi. Oh mon Dieu! Qu'allons-nous faire? Pourquoi? Quel est le problème? Nous ne pouvons pour rien au monde permettre à mon père de rencontrer Roberto. Et pourquoi pas? Parce que mon père a rencontré Roberto pendant qu'il était Bobby Casablanca, voilà pourquoi. Et pourquoi tu ne m'avais pas parlé de ça? Eh bien, je te le dis maintenant, Adri. Quand je sortais avec Bobby Casablanca, il venait à la maison et mon père l'a rencontré. C'est certain que si mon père le voit à la Fondation, il va faire un scandale. Et il découvrira qu'il a berné tout le monde. Et qu'il était avec Scarlett et toi en même temps, tu vois. Bien sûr, et il le racontera à Scarlett. Et Scarlett va faire un scandale. Et quand Béatrice va le découvrir, elle voudra se suicider. Oh mon Dieu, non. Non, je ne pourrai jamais permettre que cela arrive. Non, Adri, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il va falloir trouver quelque chose. Allô? Gonzalo, c'est Mariana. Mariana Garcia, nous avons un problème. Mon père va commencer à travailler à la Fondation. Il va découvrir à un moment donné que Roberto est Bobby Casablanca. Mariana, il sera impossible de continuer avec tout ce mensonge. Un jour, la vérité finira par éclater. Et ensuite, on finira tous par se retrouver dans de beaux draps. Gonzalo, je suis celle qui souffre le plus dans tout ce mensonge. Je vous jure que moi aussi, je déteste tous ces mensonges. Vous voulez savoir pourquoi? Pour protéger Béatrice, je ne veux pas qu'elle se blesse. Tôt ou tard, Béatrice finira par tout découvrir. Et je crois que maintenant, c'est le moment idéal. Avec Roberto à ses côtés, elle sera plus capable de te pardonner. Et surmonter toute cette situation. Eh bien, vous avez peut-être raison. Je ne pense pas qu'elle va se faire du mal maintenant qu'elle est avec Roberto. Je pense même qu'elle pourra le pardonner. Alors prépare-toi pour ce qu'il reste à venir. Rien ne peut être pire que ce qui est déjà arrivé. Lina, merci beaucoup. Je veux vraiment changer, devenir un vrai gentleman. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour me l'apprendre. Mais tu sais, les amis sont faits pour ça. T'es sûr qu'il n'y a pas de problème à ce sujet? Je veux dire, t'es sûrement occupée vu que tu te maries dans 2 semaines. Fertio, notre mariage sera fait dans la plus grande simplicité. Pour tout te dire, la plupart des détails sont déjà pris en charge. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà reçu ton invitation? Oui, bien sûr. Et sois sûr que je serai là, Lina. Tu seras déjà un gentleman d'ici là. Très, je l'espère vraiment parce que il y a beaucoup de choses que j'ai besoin d'apprendre. Par exemple, à quoi servent tous ces couverts? Mais c'est pour cette raison que nous sommes ici. C'est pour tout apprendre. D'accord. C'est très facile. Les couverts sont généralement placés sur la table dans le même ordre qu'ils seront utilisés. Très bien. Et tu sais quoi? Quoi? Je suis tombée sur Fernando aujourd'hui. Et donc? J'étais au bar à la foire du textile avec Tony et Fertu est arrivé. Et? Il s'est assis à une table non loin de la nôtre. Et il n'arrêtait pas de regarder, regarder, de regarder ce qu'on faisait. Et moi, je n'ai pas flanché, ma chérie. Je suis restée immobile. Comme une statue. J'ai même pas fait un clin d'œil. Jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus et s'est approché de notre table. Vous vous êtes réconciliés? Non, pas du tout. Comment tu peux penser ça?
Je ne lui ai même pas dit bonjour. Fertu est mort pour moi. Mort. Mort à tout jamais. Je pense qu'il souffre. Il souffre de m'avoir perdue. Et à quoi ça sert ce truc bizarre? Ceci est un couteau pour le poisson. Tu dois savoir que le couteau pour le plat principal est celui qui est le plus proche du plat. C'est la raison pour laquelle ceux-ci sont un peu plus gros que le reste des couverts. Le couteau, la fourchette, le couteau pour le poisson... Les gens riches, ils sont de vrais gourmands. Il y a tant de couverts, c'est... Vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Fertio, les bonnes manières ne se reflètent pas seulement dans la façon de se tenir à table. On le voit aussi dans ton parler et tes agissements, donc dire que les gens riches sont des gloutons n'est pas forcément une bonne chose. Tu as raison, Lina. Pardon. Mais voyons, ne sois pas triste. Je te connais et je suis certaine que tu vas apprendre tout ça très vite. Au moins, je fais de mon mieux pour apprendre. Par exemple, je me suis retenu pour ne pas tabasser un type. Pardon. J'ai dû me retenir pour ne pas cogner un type qui m'a insulté. Et tu peux me dire pourquoi il t'a insulté? C'est quelques problèmes avec Scarlett. Oh, Fertio, navré de te le dire, Scarlett n'est pas celle qu'il te faut. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Lina. Je ne sais pas comment te le dire, parce qu'en fait, Scarlett et moi sommes très proches et je me soucie beaucoup d'elle. Mais je pense vraiment que Scarlett est un peu trop banale comme fille pour toi. Tu devrais trouver une femme avec beaucoup plus de classe, plus élégante, plus glamour. Ah, Scarlett, Fertio t'aime vraiment, ne sois pas comme ça. Tu dis qu'il m'aime? Tout ce qu'il veut, c'est de me garder enfermée dans une cage, ma chérie, c'est exactement ce qu'il veut. Mais moi... Je ne veux pas. J'y suis comme un oiseau qui aime sa liberté, tu vois? Un oiseau qui aura des ennuis si elle continue à courir après Roberto White. Oh, mais je ne suis pas à la poursuite de Roberto White. Tu ne l'es pas? Donc non. Tu vas me dire non? Non. Tu ne le cherchais pas? Eh bien oui, c'est vrai, mais... Ah. Mais quoi? Roberto et moi sommes juste amis. Chut. Tu ne peux pas être amie avec un type comme lui. Arrête, Marie. Quel est ton problème avec Roberto White? Ce n'est pas comme s'il t'avait fait quoi que ce soit. Et j'aimerais que tu comprennes. Nous ne devons pas avoir peur de Roberto. Nous devrions plutôt nous montrer compatissantes envers mon nouvel ami. Tu sais pourquoi? Le pauvre doit vivre avec Béatrice sans avoir le moindre sentiment pour elle. Ça doit être une torture. Tu dois avoir de la compassion pour Béatrice, pas pour lui. Tu as raison, je mentirais si je disais le contraire. Elle mérite aussi notre compassion. Oh, la pauvre chose. Ça doit être vraiment difficile pour elle de vivre avec le fait qu'ils ne peuvent plus avoir aucune intimité entre eux. Voilà ce que je pense. Comment sais-tu ça? C'est une évidence. C'est tout à fait logique, Mariana. Tu as vu comment Roberto se comporte? Il court derrière toutes les femmes. Et elle a l'air tellement frustrée parce que la pauvre Roberto ne l'a pas touchée depuis si longtemps. C'est triste. Allô? Je te réveille? Non, mais j'étais sur le point d'aller me coucher. Alors, si je comprends bien, je t'appelle juste à temps. Béatrice, la séance photo est prévue pour demain avec Miguel Angel. Quoi? Oui? Je viens de lui parler et il a dit que le studio photo est libre demain après-midi. Oh, Lina, je ne veux surtout pas voir Miguel Angel. Bien sûr que tu le feras. Je te passerai un coup de fil demain matin. Bisous! Oh non! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire? Ah, oh, j'ai froid. Roberto? Tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime beaucoup, oui. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Je sais que nous avons commencé du mauvais pied. Je sais que j'ai fait une erreur avec toi, mais... Ce que je ressens pour toi est réel. S'il te plaît, donne-moi une chance. S'il te plaît. Mariana est de plus en plus désespérée avec toi.
Elle ne supporte pas le fait que tu la harcèles constamment. Elle a dit à toutes ses amies que tu n'es qu'une grande canaille qui veut continuer à profiter d'elle et ruiner ses chances de se marier avec Juan Carlos. Tu penses que dans ces conditions, tu as toujours une chance avec elle? Et que cela justifie que tu quittes Béatrice pour courir après une femme qui ne s'intéresse même pas à toi? Tu ne voulais pas me devoir de faveur? Mais tu es celle qui me fait une faveur. Adri m'a dit que Roberto n'arrête pas de te harceler. Adri est une fille très indiscrète, c'est une commère. C'est parce qu'elle t'apprécie et qu'elle s'inquiète pour toi. Parfois un peu trop, Gonzalo. Mariana, jusqu'à ce jour, on est-tu avec Juan Carlos? Adri vous l'a dit? Bien, elle m'a dit beaucoup de choses. Mais si tu ne souhaites pas en parler... Non, je préférerais ne pas en parler. Mariana, je suis en train de me dire que très bientôt, tu devrais ne plus travailler ici. Et comprends-moi, ce n'est pas que je ne suis pas satisfait de ton travail à Béatrice Durand. Bien au contraire, je pense que tu excelles dans tout ce que tu fais. Mais je crois que tout irait mieux pour tout le monde si tu trouvais du travail ailleurs. Nous sommes d'accord sur ce point. Et alors? J'ai un problème avec ça. J'aime beaucoup travailler ici. Je peux faire tout ce que je veux ici. Mais ta situation est devenue insupportable. Roberto ne va pas te laisser tranquille. Et un beau jour, Béatrice va tout savoir. Vous ne pensez pas que je le sais déjà? Fernando, je vais te demander de me pardonner pour ce que je vais dire, mais je pense que tu dois renouveler ta garde-robe. J'ai besoin de renouveler ma garde-robe, Lina? Oui, habille-toi de manière différente. Tu pourrais peut-être porter des costumes avec une meilleure coupe, ou sinon acheter des chemises plus fines et de jolies cravates. Sérieusement, tu penses vraiment que je n'ai pas de style, Lina? C'est ce que tu penses? Eh bien, je dois reconnaître que c'est pas mal du tout. Je crois juste qu'on devrait améliorer certaines choses. Tu sais quoi? On va faire les boutiques cet après-midi. J'en connais quelques-unes que tu vas adorer. J'espère qu'ils ne sont pas très chers parce que, tu vois... Allez, Fertio, n'agis pas comme si tu n'as pas un rond. Lina, je suis pauvre. Alors tu ne seras jamais un gentleman? Eh bien, si, mais... Écoute, tu as confiance en moi? Bien sûr que je te fais confiance. Très bien. Dans ce cas, arrête de te plaindre et prépare-toi à devenir un homme élégant. D'accord. On se voit plus tard dans ce cas. Pour ton père, ne t'inquiète pas, parce qu'il est tellement occupé à la fondation qu'il n'aura pas du tout le temps de venir nous rendre visite dans les bureaux de White Textile. Il ira forcément un jour, Gonzalo. Très bien, mais je pense qu'à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de garder de secrets. Tu as pensé à ce que je t'ai dit la nuit dernière? Qu'il était temps pour toi de parler enfin avec Béatrice. Oui. Eh bien, trouve le bon moment. Et j'espère que c'est pour bientôt. Tu verras que les choses deviendront bien plus faciles avec mon aide, Adri. Ah, monsieur Augusto, soyons clairs. L'unique chose que vous ferez, c'est conduire et faire les livraisons des machines. Je m'occuperai du reste s'il le faut. Mais je ne veux pas que tu te fasses tant d'efforts en étant enceinte, Adri. Écoute, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu te sentes à l'aise et que tu ne manques de rien. Mais s'il te plaît, ne fais pas cette tête, Adri. Tu me rends triste. Écoute, je vais parler très honnêtement avec toi. Je n'avais jamais rien accepté de la famille White, et ce, même en cas de besoin, tu vois. Ces gens sont minables, et ils le seront toujours. Mais je ne voulais pas rater une occasion d'être avec toi, t'aider, te tenir compagnie. Tout ça en valait largement la peine, Adri. Écoutez, monsieur Augusto, je ne veux rien venant de vous. Mais c'est ce que je veux. Je veux m'occuper de ta grossesse, Adri. Écoute, tu n'es pas obligé de te sentir redevable de quoi que ce soit. Pouvoir non. T'admirer me suffit amplement, Adri. Donc, ne te fais pas de soucis. Je ne vais pas essayer de te draguer. Je te forcerai à rien. Eh bien, j'espère. Ce sera je comme ça, vraiment. Adri. Oui, ce n'est pas oui, un problème. Oui, c'est ça. Oh, Madame Amanda. Madame Amanda, comment allez-vous? Bonjour, Adriana. Comment vas-tu? Bien. Regardez ce que j'ai ici pour vous, votre machine à coudre. Ah, mais c'est super. Et voici les documents que vous devez signer, s'il vous plaît.
Monsieur Augusto, regardez bien ce que je fais car vous devez livrer le reste des machines à coudre. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Arrête de tourner autour du pot, mec. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu me poses des questions sur Roberto depuis déjà 15 minutes. Quels sont ses projets pour l'avenir? Comment va son mariage? Je pensais que tu n'aimais pas Roberto. Alors, pourquoi tu t'intéresses à sa vie aujourd'hui? Miguel Angel, sais-tu si... si Roberto voit quelqu'un d'autre que Béatrice? Je veux dire, sais-tu si Roberto voit Scarlett? Pour qui tu t'inquiètes? Pour Béatrice? Ou Mariana? Oui, je sais que Roberto était avec Mariana. J'espère que tu n'en as parlé à personne. Non, ne t'inquiète pas. Miguel Angel, sais-tu si Roberto est intéressé par Mariana? On va vraiment entrer dans le vif du sujet. C'est juste que je n'ai pas aimé la façon d'agir de Roberto l'autre jour chez Béatrice quand il y avait la fête. Mariana est partie sans dire un mot, et Roberto l'a tout de suite suivi. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux-là. Tu as peur que Mariana et Roberto se remettent ensemble? Je n'aurais pas dû venir ici. Tu veux dire que tu n'aurais jamais dû tomber amoureux de Mariana? Bonne journée, Miguel. Non, Juanca. Attends une seconde. Et écoute-moi, c'est un conseil d'ami, oublie Mariana. Trouve-toi une autre femme, une femme qui est encore vierge. Une qui n'a jamais connu Roberto, c'est ce dont tu as besoin. Mets-toi bien dans la tête que tu perdras toujours face à Roberto. Toujours. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh mon Dieu. Béatrice, est-ce que tu as déjà conçu des chaussures? Non, jamais. Je ne sais même pas si ces croquis sont réalisables. Je me demande vraiment ce que ça pourrait donner. Moi non plus. Nous sommes vraiment irresponsables. En fait, moi, je pense qu'on va vivre une très belle aventure. Les aventures. Une aventure? Oui. Mariana? T'as déjà été infidèle, toi? Et même si je sais que tu n'es pas mariée, mais t'as déjà été amoureuse et t'as eu quelques relations sérieuses, non? C'est sûr. Alors, t'as été infidèle? Est-ce que tu es en train de me demander si j'ai déjà trahi celui que j'aimais? Je ne sais pas trop, le mot « trahir » est peut-être un peu fort, non? Je ne pense pas qu'on pourrait le décrire autrement. Quand tu es infidèle, tu es aussi en train de le trahir, non? Bien oui, d'une certaine façon, oui. Pourquoi les hommes peuvent se permettre d'être infidèles et les femmes non? Nous pouvons tous être infidèles, hommes et femmes. Mais cela n'y change pas grand-chose. S'il est infidèle et qu'elle l'est aussi, ils sont en train de rompre leur engagement. Oui, tu as absolument raison. Allô? Salut, Béatrice. N'oublie pas de te préparer pour la séance photo de cet après-midi. Ah, Lina, j'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. On se voit à 3 heures. Oh, mon Dieu. Ça ne va pas? Lina insiste vraiment pour que je prenne quelques photos avec Miguel Angel. Ah, ce n'est pas une si mauvaise idée. Mais j'ai tellement de choses à faire. En plus, je dois terminer ces croquis et je dois... Béatrice, ces esquisses sont déjà terminées. Ce qui nous reste à faire, c'est de les montrer à Fercho pour qu'il les apporte à son ami, celui qui a un atelier de chaussures, pour voir s'il pourra les faire ou pas. Allez, Béatrice, n'aie pas peur. Tu es tellement jolie. Et je peux te dire que ce nouveau look te va vraiment bien. Et en plus, nous pourrions utiliser ces photos pour le magazine. D'accord, on se voit à 3h30 au studio photo, Lina. Ok, d'accord, au revoir. Je vais prendre quelques photos de Béatrice. Ah, c'est bien, c'est bien. Je dois dire que ce nouveau look lui va ravir. Oui. Et je commence à penser que tu t'en fous vraiment, que même si Béatrice se rase la tête ou pas, ça te serait égal. La vérité, c'est que je ne sais pas quoi faire d'elle. Mais parfois, je sens que je n'arrête pas de la faire souffrir. Alors, divorce? Ce n'est pas si facile. Ah, Roberto voit ça d'une autre façon. Si tu divorces d'elle, elle sera libre de trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un qui la rendra vraiment heureuse. Oui, c'est vrai. Le seul problème, c'est qu'elle ne veut personne d'autre que moi. Et si elle le voulait? Je ne sais pas. Mais je pense que ce serait un vrai soulagement. Vraiment? Béatrice a le droit d'être heureuse. Et si ce n'est pas avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'est très généreux de ta part.
Alors, Adri, tu n'as pas trop de problèmes avec mon papa ? Ah, mais je vais bien. Je ne crois pas qu'il ne posera pas trop de problèmes, tu sais. Parce qu'il est tellement occupé à conduire et à faire les livraisons. Pour la fondation, il n'aura pas le temps de se rendre à Oa Textile. Je l'espère. J'espère aussi. Mademoiselle. Madame. En passant, pourquoi tu as parlé de ma relation avec Juan Carlos à Gonzalo ? Mais c'est pas toi qui m'en as parlé, Mariana, n'est-ce pas ? Tu me disais que Juan Carlos flirtait avec toi et que tu pensais justement à sortir avec lui. Mais tu n'étais pas censée le répéter, Adri. Mais pourquoi tu me l'as dit alors ? Eh bien parce que je disais simplement que sortir avec Juan Carlos était une possibilité, c'est tout. Non. Tu es sérieuse ? Oui. Je ne suis pas sûre de ça, Adri. Je ne sais pas si je veux avoir quelque chose de plus qu'une belle amitié avec lui. Oh, Mariana, je ne te comprends plus. Ah, je deviens folle. Mais j'étais très en colère contre Roberto. Mm-hmm. Mais bon, je suis toujours furieuse contre Roberto. On ne peut pas lui faire confiance et je ferai tout ce qui est possible. Mais tout pour le tenir loin de moi. Voilà pourquoi je pensais avoir une relation avec Juan Carlos. Oui, en plus, Juan... Je pense que c'est une excellente idée. Je ferai mieux d'y aller maintenant. Excusez-moi. Au revoir, Adri. Au revoir. Je vais te montrer les photos de Béatrice dès que je les aurai. D'accord. J'espère que ce seront des bonnes photos parce que Béatrice a voulu changer de look pour être mieux et elle voudrait vraiment qu'on le voie. On ne peut pas vraiment la rater. Je l'espère. Tout ce qui pourrait lui remonter le moral est bon pour moi. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe de lui remonter le moral. Mais je sais que ces photos vont changer la vie de Béatrice. Merci. Merci. Je ne peux pas sortir avec toi, Juanca. Mariana, tu es toujours amoureuse de Roberto ? Je ne sais pas. Ça ne répond pas à ma question, Mariana. C'est la seule réponse que je peux te donner, Juanca. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec Roberto, c'est tellement fusionnel et rempli d'émotions. À la fois, et je nage en pleine confusion. Parfois, je le déteste en me rappelant à quel point il a été horrible et que je ne pourrai jamais plus lui faire confiance. Une fois devant lui, je me sens faible. Je me sens faible et je n'arrive pas à lui dire non. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux ? Cette nuit-là, à la fête de Béatrice, Roberto est parti te chercher. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? De partir avec lui. Qu'elle quitterait Béatrice si je partais avec lui. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Est-ce qu'il est fou ou quoi ? Oui, il est fou. Il est complètement fou. Tu te rends compte qu'il m'a fait toute une scène au milieu de la rue ? Et en plus devant Adri, Juanca. Alors maintenant, nous devons ajouter Adri à la liste des personnes qui connaissent ton secret. Non, ce n'est pas le pire. Mon père a trouvé un emploi à la Fondation et... mon père a rencontré Roberto en tant que Bobby Casablanca. Et s'il se rend à White Textile et qu'il voit Roberto là-bas... il n'y aura plus de secret. Mariana, cette situation devient incontrôlable. Béatrice va finir par le savoir à tout moment. Et ce secret n'est plus un secret, tout le monde le sait. Miguel Angel m'a même dit qu'il savait parfaitement que Roberto et toi avaient eu une relation. Oui, j'imagine que Roberto a dû lui en parler. Comme Miguel Angel et Lina sont de très bons amis, il va tout lui raconter et... Oui, d'accord. J'ai compris. Merci. Mariana, tu ne peux pas continuer à travailler ici, tu dois t'éloigner de ce problème. Viens travailler avec moi au magazine. Bon après-midi. Bon après-midi. Vous pouvez me dire si Adri est là, s'il vous plaît ? Non, elle n'est pas là. Je peux vous aider ? Eh bien, je suis Ruben Gonzalez. Je suis le vendeur de ces machines et je suis venu voir si elle pouvait signer certains documents que j'ai ici. Vous voulez que je vous aide avec tout ça ? Merci, votre aide serait la bienvenue. Eh bien, merci, je vais prendre celui-là. Ah oui, c'est lourd. Oui, très lourd, monsieur. Alors, vous avez déjà commencé à donner ces machines à coudre à vos ouvriers ? Oui, bien sûr. Mais vous êtes nouveau ici à la Fondation. Je ne vous ai jamais vu auparavant.
J'ai commencé aujourd'hui. Ah, et vous le faites vraiment bien. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent ici. Excusez-moi ? Patience, vous le saurez bientôt. Tous ceux qui travaillent à la Fondation White se font de l'argent. Tout le monde, même le président. Ce très cher Gonzalo White, c'est un vrai bandit. Pourquoi est-ce que vous dites cela ? Oubliez ce que j'ai dit. On se reverra. Au revoir. Garde la tête froide, s'il te plaît. Mariana, tu ne peux pas prendre une décision pareille sans avoir réfléchi. Il s'agit de quelle décision déjà ? J'ai eu le temps pour y réfléchir. Et j'en suis absolument sûre. Tu es sûre de quoi, Mariana ? Tu vas saboter la réconciliation de Roberto et de Béatrice. Pourquoi ? Parce que je ne peux plus faire face à cette situation, Juanca. Le mariage de Roberto et de Béatrice n'est pas de ma responsabilité. Qu'en est-il de la vie de Béatrice ? Tu t'en fiches aussi ? Nous ne pouvons plus dire que Béatrice ne peut pas faire face à ses problèmes, Juan Carlos. Elle doit être forte. D'accord ? Nous ne pourrons pas toujours la sauver. Vous allez m'expliquer ce qui se passe ici ou quoi ? Ce qui se passe, c'est que Mariana veut tout dire à Béatrice. Quoi ? C'est pourquoi nous sommes ici. J'ai besoin de toi pour convaincre Mariana de garder le silence. C'est tellement absurde, Juan Carlos. Ferchio ne va pas me convaincre parce que j'ai déjà pris ma décision. Écoute, Juanca, eh bien si Mariana a déjà pris sa décision, je ne pourrai rien y faire. Oh, Fernando ! Peut-être que c'est le bon moment. Pauvre Mariana, elle a tellement gardé de secret que je suis surpris qu'elle ne soit pas morte empoisonnée. Non, ce n'est pas que je suis sur le point de m'empoisonner. Mais je n'en peux vraiment plus. Cette situation me rend dingue. Arrive ce qui arrivera, Juanca. Tu sais pourquoi ? Je ne veux plus continuer à mentir. Je ne pourrai pas passer ma vie à cacher des choses. Qu'est-ce que tu vas faire, Mariana ? Tu vas entrer dans le bureau de Béatrice, tu vas lui dire « Salut, ça va ? Je suis ta meilleure amie, mais tu vas devoir me pardonner parce que j'avais une liaison avec ton cher mari. » Non, je ne sais pas encore. Mais je lui dirai quand même. On peut parler ? Ah, Mariana, Dieu merci, tu es là. Je me sens tellement seule et j'ai un problème. Moi aussi. Écoute-moi d'abord parce que mon problème est grave, d'accord ? D'accord, mais promets-moi que tu vas m'écouter après. Oui. Mariana, j'ai embrassé un autre homme. Quoi ? Ce que je veux dire, c'est que... que cet homme n'est pas mon mari. Ce n'est pas Roberto que j'ai embrassé. Essaie de voir les choses d'une autre manière, Juanca. Mariana va dire la vérité à Madame Béatrice. Madame Béatrice sera furieuse. Et normalement, Marianita finira à la porte. Ensuite, toi, tu pourras l'embaucher au magazine où elle se rapprocherait de toi et enfin, elle acceptera de sortir avec toi. J'aimerais que tout cela soit aussi facile, Fernando. D'accord, mais qu'est-ce qui te dit que ce sera différent ? Les choses ne se passent pas toujours comme tu le veux. Tu devrais pourtant le savoir, c'est pour ça que tu n'as pas épousé Scarlett. D'accord, Juanca. Allons-y doucement alors, hein, et pas de coups bas, mon frère. Arrête d'essayer de me calmer avec ton optimisme à la noix, Fernando. Les choses peuvent vraiment mal tourner quand on s'y attend le moins. Tu veux un exemple ? Non, merci, c'est mieux si je n'y pense pas. Encore moins que Madame Béatrice pourrait se suicider. Ce n'est pas la seule chose terrible qui arrivera. C'est sûr que Béatrice fera un scandale. Et elle pourrait rompre avec Roberto et de cette façon, il voudra se remettre avec Mariana. Il la convaincra facilement parce que Béatrice ne sera plus un obstacle. Ou il ira voir Scarlett et lui dira... qu'il n'y a plus de problème pour qu'ils soient ensemble. Ah, tu vois, ça pourrait être pire encore. Mon Dieu. Je ne comprends absolument rien, Béatrice. Qui est cet homme qui t'a embrassé ? Je ne tiens pas à te dire ça. Mais tu viens de me dire que... Non, c'est que je serais embarrassée si je te le disais, c'est tout. Béatrice, tu m'avais déjà dit que... Peu importe qui m'a embrassée. Ce qui est important, c'est... c'est ce que j'ai ressenti. Et comment c'était ? Ça m'a plu. Tu as aimé ? Je pense que j'ai aimé. Parce que... je ne peux pas me le sortir de la tête, j'y pense tout le temps. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Mariana ? Je suis amoureuse de mon mari, je ne devrais pas penser à un autre homme. Tu me connais, et toi tu sais très bien que je ne suis ni impulsive, ni capricieuse. Mais je me sens tellement seule par moments. Dis-moi quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, Mariana ? Je dérange ? Non, bien sûr que non. Je ne vais pas m'attarder, nous devons y aller. Miguel Angel nous attend pour prendre tes photos. Ah, Lina, mais je... Plus d'excuses, Béatrice. Tu dois prendre ces photos aujourd'hui, allons-y. Grouille-toi.
On se voit plus tard, d'accord? D'accord. Mariana, j'ai appris que ton père a commencé à travailler chez White Textile. Oui, on dirait. Je vois que tu es un peu pâle, quelque chose ne va pas. Fais attention. Oh mon Dieu. Vous ne savez donc pas qui je suis, mademoiselle? Oui, monsieur, vous êtes le père de Mariana Garcia. Et de Scarlett. Ma fille est un mannequin très célèbre qui vient d'apparaître en couverture d'un magazine très connu, mademoiselle. Oui, je l'avais vue. Et en plus, j'occupe un poste à la Fondation White. Et il me semble qu'à la Fondation White, il y a des choses que M. Gonzalo devrait savoir. Des choses inquiétantes, mademoiselle. Mais M. Gonzalo est très occupé en ce moment. Il est en réunion avec M. Roberto. Nous ne pouvons pas les interrompre. Il ne peut pas vous recevoir en ce moment. Regardez! Ah, il est là! Il est avec Monsieur Roberto. Ce n'est pas Roberto, c'est Bobby Casablanca, son garde du corps. Non, monsieur, vous avez tort, c'était Roberto White avec Monsieur Gonzalo. J'ai encore plus de raisons d'obtenir un entretien avec Monsieur Gonzalo White.